Les amis, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent comme vous voulez et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto, encore les petits tutos de l'été. J'en profite comme j'ai pas beaucoup de temps et euh, j'ai pas le temps de faire de grands grands projets. Donc, j'ai préparé ces jolies petites boucles d'oreilles en forme de pastèque. Voilà, sur lesquels j'ai rajouté trois perles. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Euh... Rien de particulier à dire. C'est hyper simple. Franchement, ça se fait hyper rapidement. Donc, si vous voulez, vous aussi, faire des petites boucles d'oreilles pour les offrir à vos petites filles ou à vos filles, c'est hyper simple à faire. Vous allez voir, vous allez juste avoir besoin d'attaches de boucles d'oreilles, des petits anneaux de jonction. Quelques perles. Alors, celle-ci, euh, AliExpress. Je les ai commandées sur AliExpress. Et j'ai utilisé pour ce modèle-là des fils des chevaux comme ça. Vous savez, c'est du fil de broderie. Voilà. Donc, j'ai pris les trois couleurs dont j'avais besoin c'est-à-dire du rose-orangé pour le cœur, du blanc pour le contour et du vert pour le reste, avec quelques grains de noir. Ben pour faire les pépins tout simplement donc j'ai crocheté avec ce crochet là 1,75 je sais pas si là on voit bien 1,75 voilà euh, j'ai pas pesé j'ai pas mesuré vous voyez par rapport à ma main ce que ça donne voilà c'est hyper léger hyper léger on sent presque pas qu'on a une boucle d'oreille à la rigueur donc c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la couleur du du fruit, du centre du cœur. Donc vous prenez votre fil, vous faites un cercle magique comme ceci que l'on vient fixer avec une maille. Là, ça bougera plus. Moi, comme vous savez, je sors toujours ce petit fil à l'extérieur. Et dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On crochette par-dessus les deux fils. 4, 5, 6 mailles serrées, comme ceci. On va tirer légèrement, pas entièrement, mais légèrement, de façon à pouvoir s'accrocher, à moins que vous vouliez travailler en, en spirale, mais avec les démarcations de couleurs, je ne vous conseille pas. Donc on entre dans la première maille serrée que l'on avait faite, on entre à l'intérieur, on fait glisser notre fil et on fait une maille coulée, comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne ce tout petit machin-là. Et là, on peut, maintenant, ah, j'avais pas pris tous les fils, on peut tirer le fil de l'extérieur du cercle. Voilà. C'est reparti. Une maille en l'air. Sur chacune de nos mailles avec la même couleur, hein, on continue avec cette couleur-là, on va venir faire deux mailles serrées. Ça veut dire qu'on pique là où nous nous sommes glissés, là où nous avons fait la maille coulée, on pique. Une première maille serrée, au même endroit, on fait une deuxième maille serrée. Voilà. Deux mailles serrées dans chaque maille, donc au total, comme on en a fait six au départ, on va se retrouver avec douze mailles serrées. Donc on continue. Maille suivante, deux mailles serrées également. Maille suivante, deux mailles serrées. La maille suivante, deux mailles serrées. La maille suivante, deux mailles serrées. On fait ça jusqu'au bout. Au total, on doit avoir 12 mailles serrées. Que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bien ça. 11 et la douzième. Ça nous donne ce petit cercle, je suis désolée pour la visibilité parce que je ne suis pas orientée comme il faudrait. On rentre dans notre première, on fait une maille coulée. Et là, vous coupez votre fil. Je n'ai pas pris de ciseaux parce que je ne veux pas gâcher mon fil, j'en ai déjà une paire. C'est juste pour vous montrer, moi je vais juste tirer mon fil. Donc là, on coupe le fil, on va prendre la couleur blanche. On va faire comme, un, comme si nous allions crocheter un cercle basique, tout à fait normal. Donc, ça, n'y prêtez pas attention. Je rentre là où j'ai coupé le fil, avec ma nouvelle couleur. Hop, et je tire. Et là, je fais une maille en l'air pour commencer. Au même endroit, une maille serrée. Sur la maille suivante, deux mailles serrées ensemble, une augmentation donc. Sur la maille suivante, une maille serrée. Et on alterne la maille suivante, une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées ensemble, une, deux, celle d'après, une seule. La maille suivante, deux, La maille d'à côté une toute seule donc je vais finir avec vous ce petit tour c'est hyper facile à côté on recommence deux deux mailles serrées sur la même maille à côté une toute seule on continue une maille serrée euh, deux ensemble plutôt puisque je me suis arrêtée à une À côté une et forcément on termine par une augmentation donc deux ensemble puisqu'on a commencé par une toute seule et au total nous avons 18 mailles serrées donc on rentre dans la première pour le tour blanc c'est terminé maille coulée moi je tire mon fil vous vous le coupez bien sûr et vous crochetez tout autour je prends ma couleur verte je fais un nœud coulant je rentre là où je me suis arrêtée. Ici, hop là. Et là, le principe va être une maille en l'air et à cet endroit-là, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. La maille suivante, deux mailles serrées ensemble, c'est-à-dire une augmentation. Et là, on va alterner de la même manière. Donc, une première maille serrée toute seule, maille suivante, une deuxième maille serrée toute seule, maille suivante, deux mailles serrées ensemble. On alterne. Une maille serrée seule, maille suivante, une toute seule, celle d'à côté, deux sur la même maille, c'est-à-dire l'augmentation. On continue jusqu'au bout. On fait exactement de la même façon. Deux mailles serrées seules et deux mailles serrées ensemble. Une toute seule, une deuxième toute seule, à côté, maille suivante plutôt, on fait deux mailles serrées ensemble. On continue. Une toute seule, une deuxième toute seule et sur la dernière, deux ensemble. Comme ceci et on unit sur la première, on rentre à l'intérieur, on unit et on fait notre maille coulée. Vous avez fait le trois quarts de votre petite pastèque. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, une fois que vous en est ici. On va prendre du noir et on va s'insérer. Je vais vous montrer. Normalement, vous prenez un petit bout et vous le coupez. Là, comme j'ai pas envie de gâcher parce que du noir, j'en ai plus beaucoup en plus, je ne vais pas du tout couper. Donc, je vais m'insérer par exemple ici. Hop. Ah, sans faire de dégâts bien sûr, ça serait mieux. Par exemple... Voilà. Moi, bon, j'ai pas pris tous les fils. J'en étais sûr. Je recommence. C'est pas grave. Ah, c'est parce que j'ai le fil blanc à l'extérieur qui me gêne. On va partir de ce côté-là. Je vais juste vous montrer comment... Moi j'ai procédé, mais je l'ai fait à l'aiguille. Donc je vais prendre une petite aiguille. Je tire légèrement sur mon fil. Hop. Et là c'est simple, hein, c'est euh, à votre créativité. On va piquer à certains endroits de façon à laisser quelques morceaux de traits noirs qui vont représenter en réalité les pépins de la pastèque. Je vous montre. Là, je pique à un endroit complètement différent. Hop, et je repique ailleurs. Vous faites votre petite vie, hein, comme vous en avez envie, et surtout comme vous savez faire, comme moi. Je suis pas forte du tout, du tout, du tout en broderie. Je fais vraiment au hasard. Histoire que ça me donne quelques petits... Euh, les grains. Tout simplement. Les grains noirs que l'on trouve. Les, les graines, finalement. Que l'on trouve lorsque l'on mange de la pastèque. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Le blanc, on l'enlève. Hein, on le coupe. C'est rien. C'est le fil du, du, de, du troisième tour. Tout simplement. Donc ça, c'était pour. Les petits grains, une fois qu'on a terminé, on fait, la on fait un nœud euh, au dos. Vous voyez, j'ai fait un nœud, mais ça ne se voit pas parce que je l'ai cramé avec euh, le briquet. Et ce dernier fil, le, le fil vert, on va laisser une petite longueur, on va couper. Et là, on va insérer nos perles comme j'ai fait ici. Insérer les perles. Le fil, on le rentre dans ce petit anneau de jonction. Et on repasse dans les perles et on va se perdre, on va perdre le fil à l'intérieur de notre petite pastèque en faisant quelques nœuds à certains endroits. Là déjà j'ai fait un nœud ici au pied des perles et j'ai été me perdre dans le dos de la boucle d'oreille pour pas que ce soit euh, vilain, pour pas que ce soit moche. Ça reste quand même quelque chose qu'on porte au niveau des oreilles qui est visible, donc on ne va pas faire euh, euh, quelque chose de pas beau, tout simplement. Voilà, donc vous connaissez le principal. Après, c'est vous qui allez agrémenter comme vous en avez envie et comme d'habitude, en plus, c'est vous qui, qui décidez. Ça, c'était les petites pastèques. Euh, dans un, 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 un tuto prochain, peut-être que je vous ferai un autre fruit, hein, les fruits de l'été, donc euh, qui se mélangera avec le tuto de l'été, tout simplement. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et euh, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos, ça me fait hyper plaisir quand vous m'envoyez vos photos. Et puis en attendant, bah je vous dis à plus tard. Salut, salut.